Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming TV. On se retrouve aujourd'hui les gens pour la suite. Et enfin, l'arène numéro 3 de Pokémon épée, bien évidemment. Avec Kabu, le champion de l'arène feu. Alors, te voilà Guillaume, j'ai chopé le badge feu, j'ai trop géré. En tout cas, si ça vous fait plaisir, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. Voilà, à nous suivre sur YouTube, à s'abonner à la chaîne et puis à utiliser la cloche pour pas louper les notifications. Alors, j'ai eu chaud, ah normal, tu me diras pour l'arène de type feu. En tout cas, Kabu assure, j'ai sorti les grands moyens et franchement, j'en ai bavé. France Guillaume, Kabu est un grand athlète, mais je sais que tu seras de taille. Donc on a Sonic Pokémon. Sonic Pokémon. On va mettre juste, on l'a mis en premier. Ouais, Tauriamort. Voilà. Et on lui a appris Cascade. Comme voilà, ça comme ça il a une bonne attaque de type haut. Il est pas très haut niveau, mais voilà, c'est un Pokémon haut. Donc on va y aller directement. Hein. On va y s'inscrire. Voilà. Mais, Nabil, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, trop bizarre. Alors. Il est parti, il est revenu. Bah quoi. Oui. Donc on va découvrir la mission de l'arène feu. Donc on va commencer là-dessus et puis après on va aller à l'endroit qu'on a vu la dernière fois. Qui permettra d'aller plus loin. À Kickenheim. Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire en piste. Oh, il est pas mal, Mathieu. Ouais. Je sais pas trop ce que ça représente. C'est pas le camp de Gifeu, là, comme faisait Gouplin, là. Peut-être. C'est possible. Alors, il y a du Goupix. Faut faire quoi? Faut tourner, faut faire 15 fois le tour. Il y a Pokémon sauvage. Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène de type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Vaincre un Pokémon tapis dans le désert, tu remportes un point, le capturer 2. Mais garde à l'esprit que tu n'es pas le seul en liste de... Ah, c'est marrant. Il faut garder un œil sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions pour engranger un maximum de points. Quoi? Quoi? Que la mission commence. Hein? Mais c'est avec des vrais Pokéballs ou... J'ai acheté 50 Super Bowl du coup. Quoi? Quoi? En fait, faut pas qu'il capture. Non. En gros, soit on le capture et on l'a. Du coup, c'est quoi qu'on a? Attends, c'est utiliser nos Pokéballs, c'est une grosse blague ou quoi? C'est abusé? Bah, c'est un peu abusé, non? On va faire un cascade juste pour voir l'efficacité. Ah, c'est joli. Ouais, mais comme ça, c'est nous qui avons le point. Bah non, parce que tu l'as pas capturé. Si, un point si tu le captures pas, deux si tu le captures. Ah oui, d'accord. C'est quoi ce délire? Je peux utiliser mes Pokéball, moi. Bah au pire, tu les utilises pas et puis tu les... Il faut 5 points. Marque un point, tu vois, c'est moi qui ai eu le truc. Du coup, il va être là. Je le tue. Je le veux pas, gros. Il faut juste l'exploser, quoi, c'est tout. En fait, il faut juste prendre le devant et du coup l'exploser. Parce que c'est nous qui allons prendre le point. En fait, faut le tuer avant que l'autre le tue. C'est tout. Eh, il m'a tapé moi. Ouais, t'as tapé toi. Quoi? Bah vas-y, tue-le. Tu te rétoxes. C'est une blague. Et là, je pourrais le capturer du coup. Et là, tu vas le capturer tranquille. Ah, mais le problème, c'est que je vais le tuer. Je vais fais morsure, mère, morsure. Non, ça c'est bien. Ah, c'est trop efficace. Donc, faut tuer le Pokémon adverse. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Vraiment, ouais. Ah, niveau 26, ça c'est cool, comme ça il sera un peu plus fort. Du coup, t'as 2 points. Ah, Funicir. Oh, on va essayer de le capturer, il est trop bien. Ah, il est trop mignon lui. Quelle horreur ce Pokémon. Non mais franchement, je sais même pas c'est quoi l'idée qu'ils ont eu dans leur tête pour faire un Pokémon aussi moche. Il n'y a pas de stratégie à avoir, faut juste les exploser quoi, c'est tout. Allez, dégage. C'est moi qui vais gagner. Mais c'est... Bah c'est marrant le principe. Ouais, c'est marrant mais c'est un peu bizarre. Ah, finition, on va le prendre parce qu'il est beau. Donc fais un truc pas trop efficace. Hein. Allez, remets un autre. Quoi? Ah, tu vas direct. Allez, Funicir, on t'aime! Viens avec nous! Oh, purée, on te déteste. Okay. En plus, il est trop nul.
Ouais, t'as plus, c'est bien. Tue-le. Très bien, ouais, tue-le, Funicier. Bon, je vais essayer. Bon, j'ai dépensé un peu pour utiliser ces super boules, c'est un peu chiant. J'utilisais, je trouve ça bizarre pour le coup. Ouais, normalement, il devrait donner comme un peu le safari. Ah, on a Funicier, c'est cool. Au moins, Funicier, ça se trouve, on peut le trouver que là, c'est bizarre. C'est vraiment qu'on le voit. Du coup, Toxisap 26. Ouais, cool. Donc, 2 points. Cool, Funicier. Ah, mais ça se trouve, c'est les seuls Pokémon qu'il y avait et t'as pas assez de points. Mais non, il faut juste plus que les autres. Ah non, plus qu'un point. Oui. Et du coup, ça se trouve, il n'y a plus Pokémon. Mais si, ça respawn. Ah oui. Ah, c'est toujours les mêmes. Mais c'est trop... Bah, tu le... C'est trop nul. C'est pas un défi. C'est trop bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre. Bon, au moins c'est original. Au moins, c'est pas pareil que... Ouais, que au moins, c'est pas pareil. Ouais, non, mais en plus, le Tritax, il tue, quoi. Ça se trouve, Funicier, je peux l'avoir que là. Je sais pas. Non, il me donne la trouille, du coup, je peux pas attaquer à cause de lui. C'est bon. Bon, au moins, notre petit Pokémon est puissant. Ouais. Enfin, notre gros Pokémon. Torgamer. Et donc, ah bah, puis le Godoy, il va bientôt au niveau 28. Mais trop bizarre, bah voilà. Ouais, bon. C'est un peu bizarre, ouais. Mission accomplie. Bah, c'était pas une mission. Voilà, mission de reine de Kabu, pliée en deux, temps, trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabu, le champion de cette arène. Field Challenger. En ouais, fait, c'est vraiment... pour ça. En fait, c'est pour affronter d'autres. Un peu différemment. D'autres dresseurs. Oui, un peu remarque, différemment. Moi, tu apprends pas des dresseurs. Bah, ouais, c'est ça, en fait. C'est pas trop mal. Oui. Oui, c'était quoi ce mouvement de. Ah, il vient à côté de toi. Mais pourquoi il court tout le temps? Si, il s'entraîne. Il a la tête du japonais typique de 50 ans, tu sais. Ouais, qui fait ses flexions-extensions, tu sais, dans les parcs. Grave. Bienvenue. Comme tu le sais déjà, je suis Kabu, le champion du type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes plantes et eau de Percy et de Donna. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il y a aussi être capable de tout donner à un moment crucial. Ah, jolie la reine. Ah, elle est très jolie. Alors, ça va être quoi ces Pokémon? Bah, ça va être le chariot, je pense. Vagomine? Ouais. Kabu! Je vais arrêter de se battre. Un fenard. Ah, il est beau. Techno. Ah oui, Dynamax. Pas tout de suite. Hein. Non. Lui, il a 3 Pokémon. Feu follet. C'est joli, hein. Il va y brûler. Ouais. C'est l'attaque qui fait juste brûler, en fait. Ah, tu passes au niveau Pokémon. C'est une blague? Bah, tu les avais été avant le défi là. Ouais. Ah, j'avoue, la musique techno et tout. Coup critique, bien joué. Ça vient un peu quand même. Oh là, bah dis donc. Ouais, c'est une évolution. Charme. Arcanin. Il y a que 2 Pokémon? Non, 3. Bah, Arcanin et puis Vagomine, je pense. On va faire, c'est qu'on va. On va changer. On va changer, on va soigner l'autre pendant ce temps-là. Ouais. Et puis. Tu vas remettre celui-là. Comme ça, on va avoir Vagomine. Go! Bon, elle est mignon. Ouais, il est pas mal, il est pas mal, pas mal. Bon, je serais pas en peluche, celui-là. Non. Arcanin. C'est vrai qu'il est gros, ouais. Mais il est niveau 25, hein. Ouais, donc ça c'est loin. Sac, on va utiliser une super potion. On a 6 sur Targamor et faudra être un anti-brûle. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, là je suis sur le type. Je pense que ça va pas être efficace. Bah, c'est un tanky. Hein. C'est un tank et. Voilà, c'est bon. Tu vas pouvoir revenir au. Ouais. On va juste taper un peu avec lui pour voir.
Alors, ah, non, bah, ça... Attaque. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Pouvoir antique, peut-être. Ah oui, il y en a que 5. Ah, d'accord, c'est un truc assez puissant. Ah, pouvoir antique, c'est super puissant. On va voir ce que ça fait du coup. J'aime bien l'animation. Ah ouais, c'est super efficace. Ouais. Bah, très bien. Bah ouais, bah, très bien, ouais. Ah mais du coup, c'est ça qui va te sortir comme dernier Pokémon? Ouais, mais j'ai... Bien. Yes, bien joué. Ouais. Notre premier kill avec... Vagomine, le nouveau Pokémon. The new Pokémon. Viens, canard, je suis niveau 27. On avance. Scolosambre, on va changer de Pokémon. Ah mais non, c'était pas son Pokémon, Vagomine, il était juste non, en c'est juste Poké Service. Oui, c'est ça. Dénère, Kabu, tu peux gagner, fais brûler la flamme qui est en toi, puise dans tes réserves. En fait, c'est des champions, mais toute la journée, ils se font démolir par des gamins, quoi. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, quelle horreur. Il est grand, machin. Oh là 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 là. Il est pas joli, il est pas joli, quoi. Hydromel. Il est pas joli dans le sens où... Oh non, il est moche. Il est pas beau, quoi. Oh là 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 là. Il fait même pas, je sais pas, un peu peur, machin, il est juste moche. Ouais. Et en plus, on va le voir en géant. Ah mon dieu, mais oui! Toriyama! Ah, mais quelle horreur ce Pokémon! Scolosambre, fais exploser ton énergie Dynamax! Change d'apparence avec ta forme Giga. Oh! Oh, il y a une forme Gigamax! Est-ce qu'il va être encore plus moche? Une forme Gigamax? En Gigamax! Ah, c'est un dragon. Ah, il est peut-être un peu mieux en Gigamax. Il fait plus dragon. On dirait Mouchou. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ah, il est Gigamax, lui. Toujours non, avec en les fait, petites... il est trop plat. Ah, c'est pas si efficace que ça. Hein. Si, si, c'est super. Ouais, efficace. Mais... Il pleut. Comment ça pleut, voir. Du coup, les capacités. Insectomax. Super efficace aussi, non? Ah, c'est joli, hein? Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas super efficace. Ah bah! Ah, j'ai pas compris. En fait, ça prend en comptabilisation, je pense, ce que t'as derrière aussi. C'est mieux, les annulations sont belles, hein. Bah c'est pas mal pour le coup, ouais. C'est joli. Ouais. 1000, bien, hein. Oh, bien, ouais. Wow. Il y a un éléphant. Wow. Ah, c'est pas mal. Vous avez battu Kaby, le champion d'arène. Non. Et tu sais, de la journée fait, non. Ouais, toute la journée fait ça. Non, je suis trop nul. Vous avez fait du super boulot. 4320 Poké-Dollars. C'est abusé. Bravo, tu as su tout donner pour réussir avec brio mon épreuve qui est souvent considérée comme le premier véritable obstacle des filles et des arènes. C'est vrai, Melon. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, cela ne suffit pas face au talent. J'aime rencontrer des entraîneurs comme toi qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Ton équipe et toi, vous irez loin, je le sens. C'est une belle rencontre sportive que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne ce badge feu en récompense de ta victoire. Merci, papy. Et le badge feu qui va aller à droite? Ah non, milieu. Au milieu. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 35. Tu vois, on peut pas capturer. On peut capturer que jusqu'au niveau 35. Oui, donc là, on a okay. Capturé le Pokémon limite. Oui. Niveau 30, c'était la limite. Oui, c'est ça. Peut-être pour ça qu'on a du mal. Ici, à la Galar, les Pokémon Diamax sont des stars du stade. Leur combat fait partie intégrante de la culture. Et c'est ça à chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet à cette culture d'être perpétuée. Cette tradition n'est pas stagnation. C'est le sang neuf qui nous force à évoluer et à nous adapter au temps moderne. Nos autres adultes sont là pour soutenir vous, les jeunes. Une petite morale du jour. Ouais. Guillaume, je savais que ça irait pour ton Torgamore et toi, mais sans rire, j'ai stressé de ouf pour vous pendant le combat. Bon, Guillaume, tu représentes des honneurs des badges de plantes, feu et eau. Tu as bien du fait bien du beau bien travail. Travail. Accepte cette idée pour fêter tes exploits du jour. Feu follet. Donc, c'est ce que vous avez fait. Ça tape pas, ça brûle, c'est tout. Ouais. Ce que nous avait fait Fenard. Voilà, un film brûlure. Et voici uniquement un uniforme avec le même design que celui qui a vu, magnifique, non. Uniforme feu. Du coup, on a le uniforme haut,
feu et plante. Vu ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kikanam, au et au-delà. Retourne donc t'aventurer dans la Terre Sauvage et rends-toi à Kinkenham. Bah c'est là où on était, donc oui. On va retourner où on était. Avec nos badges, on n'aura aucun mal à affronter les terribles Pokémon qui se cachent tout au fond. Les Terres Sauvages. En route pour l'aventure. Bah c'est ça en fait, on est là un tout petit peu trop tôt. En fait, on est juste avant, on aurait dû y aller après, mais bon. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, là, on va le passer pour le coup. Moi, je voulais mort Peko, mais on l'aura pas. Non. Mais... Ah, mais il est relou, lui. Avant, pendant, après. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a l'histoire qui va avancer aussi avec Sonia et tout. Ah, peut-être, oui. Bah tiens. C'est bon, Guillaume, on y va. Hein? Waouh, vous êtes venu exprès pour nous dire au revoir, vous, un champion. C'est parce que vous ne savez pas que je serai le prochain à vous. C'est parce que vous savez que je serai le prochain match à vous. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les 3 premiers badges et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer ceux qui y parviennent, et je ne suis pas le seul. Ouf, juste à temps. Heureusement que les taxis volants sont là. Guillaume, Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Cabu. Peu de challengers y parviennent, et on est vraiment fiers de vous. Bah non, il dit justement qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les Terres Sauvages. Je parlerai un petit chant d'encouragement. On est champion. J'ai hésité de le faire. Ouais, vite. Vous, les challengers, on allez vous faire rien. Alors, continuez de nous faire rêver. Voilà. Le malaise. Les champions d'arène qui vous attendent sont de retable, certes, mais ne laissez pas vous décourager pour autant. Ayez foi en vous et votre équipe. Merci, monsieur Cabu, et Percy et Donna aussi. Et ne vous faites pas pour nous, on ira jusqu'en finale au bout. Jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit affronter la finale. Kikanam, nous voilà en route, Guillaume. Bon, ouais, c'est marrant parce que du coup, ouais, il montre quand même que c'est spécial qu'il y ait des gens qui réussissent. Oui, c'est genre, vous êtes quand même pas nombreux. Quoi. Ouais. C'est pas mal. Ah, oui, d'accord. Donc, retour sur les Terres Sauvages. Les Terres Sauvages, comment on se retrouve? Je vous préviens, je suis plus le même. Regarde, Guillaume, Kikanam est par là. Mais on. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas, mais avec notre nouveau badge, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. Bon, en fait, on l'a vu juste avant, donc pire, c'est pas grave. Perso, je pense qu'on va pas se priver. On va capturer des Pokémon trop balèzes, notre histoire continue. Ah, vous êtes toujours aussi niais à ce que je vois. Désolé de doucher vos espoirs, mais le défi des arènes, vous pouvez faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour recommander de tels minables. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement. C'est pitoyable. Tu sais même pas de quoi tu parles, je lance les Pokéball comme un pro et tu vois pas que mon frangin c'est le meilleur maître du monde. Qui est pénible? Bien, puisque tu ne veux pas comprendre, qu'il y aura-tu un petit combat? Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Arrête un peu de te la jouer, je sais bien. Je sais que dans la mine tu t'es pris une raclée par Guillaume. Et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude, moi et Guillaume. Bah non. Hein? Donc je vais te laminer, c'est QFD. CQFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit de Guillaume ou du maître. Serait-ce parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre maigreur? Voilà. C'est bien. Je vais t'éclater, il va rien comprendre. Il va voir ce qui est ce qui m'est dérogé. C'est Guillaume, on se recapte à Kikanam. Ah, je croyais qu'on allait faire combat, moi. Ouais, bah, très bien, ils vont le faire tous les deux dans leur coin. C'est ça. Donc on pourra faire le Poké Campement, sinon. Mais je voudrais juste revoir quand même ce qui est par là. Ah, bah, il y a un truc énorme. Ah, un truc énorme. Ah, bah, mais ça, c'est parce que c'est ceux qui peuvent gigamaxer. Avec la fumée comme ça se trouve, c'est ceux qui gigamaxent et qui dynamaxent pas. Bah vas-y hein. Va le faire tout seul hein si tu veux. Ouais j'y vais. Attends. Oui. Oui. Ah j'ai Fantominus maintenant. En fait ça change. Ah oui bah oui. Attends. Bah dis donc y'en a plein hein. Trop de Fantominus. Trop de Fantominus, tu le Fantominus. 300 watts. Oh, Bibichu! Oh, Bibichu! Ça se trouve, mais du coup, Dynamax! Bah, vas-y! Tu veux pas le faire avec moi? Non. Bah, je fais tout seul. Donc, oui, c'est doré. Ah, 2 étoiles! On va combattre ensemble. Ah, oui, 2 étoiles, ouais, 2 étoiles. Je me dis, pourquoi il dit 2 étoiles? Donc, on va gagner des meilleurs trucs. Donc, là, on est avec des bots. Ouais, c'est ça. Donc, là, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut vraiment le faire solo. Oh, c'est Bibichu! Mais oui, Gigamax! Tu vois, il a des trucs autour de lui! Et en fait, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui Gigamax et pas qui Dynamax! Oui. C'est sûr. Oui. Ok. Oui. Donc son évolution du dessus, ça se trouve, la Gigamax à mort, elle est magnifique. On ira voir ça. C'est un Pokémon de type... C'est des petits faits. Efficace. Ah, super efficace.
Ah non, attends, bah Dynamax. Dynamax, hein. Ouais, mais tu peux plus le faire. Ah si, Sinistromax. Ah, si, 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 si. Sinistromax. C'est le Sinistro. C'est le Sinistro, c'est un présage de mort. Mais oui, c'est ça. Et c'était quoi qu'on a vu du coup? On a eu un Pokémon. On avait eu Magikarp, mais pourtant il avait pas changé de. Bah si, Léviator, Gigamax. Ça va être ça. Tu penses? Ouais. Vous avez dit donc? Il y a un lion. Ah non, peut-être pas. Ah non, parce qu'il a de la fumée aussi. Ah, je comprends pas. Oh, c'est... Ok. Il doit être très peu, très bas niveau. C'est le moment de lancer une Pokéball. Tu vois, t'as pas de Pokéball. Ah si, si, il y a des Super Balls. Ouais, mais ça se trouve, il est super bas niveau. C'est pas grave. On va avoir... C'est deux étoiles et il était doré. Ça se trouve, tu vas avoir des bonbons... Des bonbons XL. M. M. Ouais, pas XL, je pense pas. Alors. Pourquoi c'est une grosse Pokéball encore? Et on n'est pas obligé de l'attraper ou on l'attrape forcément tout le temps? Non, non, c'est pas. M, M. Oh la vache! On a des M. En deux CT. Ouais, deux CT. M et M. 7S. Eh ben je sais ce qu'on va faire, on va mettre Bibichu dans notre équipe, on va voir quel niveau il est, et on va le faire évoluer. On va utiliser le bonbon M sur Bibichu, yes, qui est quand même niveau 25, hein, donc c'est plutôt cool. Mais il va monter trop au niveau là. Bah normalement ouais, hein. Alors, on a... Ah non, c'est en bas du coup, puisqu'on en avait plus. Donc on a un M, c'est la première fois qu'on en a. Il va évoluer du coup. Est-ce qu'on le met? On va en utiliser un pour voir. Est-ce qu'on en a deux, hein, attention. C'est énorme! Oh, il a gagné 2 points de vie! Je sais pas quoi faire du coup. Je sais pas si je mets sur le même ou pas. Ah, mais le problème c'est qu'ils vont être trop au niveau si tu. Ah, si je mets sur les autres. Mais si sinon je mets sur Toxizap, tu vois. Il y a Toxizap aussi. Ouais. Sinon il y a Badabouin qui va peut-être évoluer. Bibichu? Mais il a pas évolué là. Non. Mais ça se trouve, il faut évoluer en faisant un échange ou un truc comme ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On va utiliser les bonbons S sur Toxizap. Tu peux utiliser sur Badabon? Mais non, on va pas faire sur Badabon. Le pauvre, il va évoluer. Oui. C'est lui qui évolue? Oui. Bah non. Bon, vas-y, fais ce que tu veux. Il va évoluer là. 7! Ouais, tout sur... Ah. Voilà. Il gagne un gros niveau. Ah, mais il évolue pas. Eh oh, l'agression! Non, mais eh oh! Tu l'as, Fantominus? Hein? Tu l'as, Fantominus? Non mais, eh oh! Il pleut. Bah, finement observé, wesh. Je l'ai, Fantominus, ouais. Oui, oui, tu l'as, oui, j'ai vu. Tu veux faire quoi? C'est moche quand il pleut. Ah, c'est moche quand il pleut. Oh! Ah, il y en a qu'en feu. Ah oui, parce que son... Ça veut dire que son attaque est plus forte ou je sais pas quoi, là. Ah bon? Ouais, je crois que c'est ça. Comme dans l'autre? Comme dans Let's Go. Oh, Let's Go? Ouais. Genre c'est un gros quoi? C'est un gros, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un gros. Ah bon? Donc ça veut dire qu'il est peut-être plus fort au niveau de ses capacités. Ah mais tu as peut-être le one-shot là. Quoique il est super au niveau. C'est joli les attaques là. Ouais. Mais il est trop fort, Torgamor, là. Ouais, j'avoue, Torgamor, je sais pas ce que tu lui as fait. Bah, je lui ai augmenté ses attaques avec des plumes, mais je pense pas que ce sera aussi puissant. Allez, tout le monde de niveau, bon, c'est la fête. Tu gagnes des watts quand tu les bats. Et d'accord. Bah, c'est vachement bien, parce que du coup, c'est faut bien regarder s'il y en a pas d'autres, tu vois. Ok, bon, on va aller vers l'endroit... Oh, il y a trop de Pokémon. Vers Kinkenheim. Ah, je suis déçu, du coup, parce que je sais pas... Ah, tiens, on va prendre ça. Moi, c'est bien, on n'est pas obligé de sortir du vélo et tout, on peut interagir avec quasiment oui, tout. Oui, oui, tout sans obligé de faire moins et tout. On peut ramasser. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment. Oh, bien. 6. Bah, arrêtez. Hein. 6 en 2 coups, je sais pas plus. Mais rond gourmand, par contre, on n'en voit plus. Hein. Bah, cimère rond gourmand, au bout d'un moment. Cimère rond gourmand, quoi. On peut gagner des watts avec les Pokémon. Ouais, donc ceux qui sont en feu. Marest. Tu vois, Marest, par exemple, on pourrait le capturer maintenant, je pense. Ah, c'est mieux, il va faire beau.
C'est mieux quoi. De toute façon, on fera une session capture Pokémon. Bah, de raid et tout, parce que les raids, là, vous avez vu les gens. Non, mais c'est incroyable. Mais on c'est... Imagine, on en prend plein, mais même toi et tout. Là, t'aurais fait le raid avec moi, t'aurais gagné un marre de bon OM, et du coup, comme t'as du retard. Ouais, c'est ça. Ah, faut vraiment que j'avance, là, j'ai pas du tout joué. Donc, on va garder Bibichu pour le faire évoluer, on va voir. J'ai envie de me spoil pour savoir est-ce qu'on est loin ou pas, est-ce qu'il faut faire un truc spécifique, parce que ce seront. Ouais, c'est vrai que t'as un. Ah, bah, Ronflex. Tu penses qu'il est au niveau Ronflex ou pas? C'est quoi comme ça? Allez, Ronflex, c'est Rapion. C'est Rapion. Toujours le même. Il a l'air très fort. Oula. C'est mauvais signe. Ah, tu peux pas. Je peux pas. C'est 35. Donc là, si je fais ça. Non. Ouais. Donc c'est un niveau au-dessus. Bah, on peut essayer d'exploser. Ça fera XP. De toute façon, il respawn, je pense. Hein. Si oui, j'attaque avec morsure, peut-être. Cascade, c'est même plus grosse attaque. Oh. Après, c'est un tank. Hein. Ah, voilà, tu peux peut-être ça peut se faire, sachant que. Tu peux peut-être pas l'avoir. Si, mais c'est pas mon plus gros Pokémon. Oui, je sais. Oh là, arrêtez de faire ça. Ouais. Comme ça, on le fait et ça va peut-être faire XP. Hein. Ah, il a la trouille. Ah, ça peut foutre la trouille, Cascade. Cascade, cool. Ouais. Il a pris l'eau. Machouille. Ah, Machouille, c'est ça. Ça fait mal. Ouais. Ouais. Ah, mais du coup, on va pas XP. Non, mais tu veux XP un autre? Oui. Allez, bah d'abord. Non, ça va faire. Souplesse, non, tranchère, non, c'est mieux. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va le faire à peu de points. À peu de points, ouais. Allez, coup critique. Oui, bah, pas coup critique, mais ça passe. Alors, comment on gagne en faisant un Pokémon niveau 36? Ah oui, quand même. 1500, ah ouais, 800. Donc oui, ouais. C'est quand même pas mal. C'est pas trop mal tout ça. On va juste faire un rappel sur... sur Tangamore. D'ailleurs, ouais. On va changer... Si on l'a mis en premier, mais là, ça sert plus à rien. On va le faire plus loin. Parce que là, ça... Non. Ah ouais, j'ai toujours eu. Le même qui t'agresse. Ouais, c'est le seul. Ouais, c'est le seul qui t'agresse. Le même endroit, c'est... Ouais. Bon, bah Ronflex, on n'a pas pu l'attraper. Non. Ok, bah c'est pas mal parce que j'avais peur justement qu'on puisse... pas tuer... tout attraper quoi, le truc complètement abusé. Oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas lu. Moi j'avais vu les échanges, mais j'avais pas vu autre chose. Là, donc faut aller tout au fond. Ouais. Oh, oh Yes, Max. Max. Cubitoki. Oh, Rhinocorne. Rhinocorne, ouais. Rhinophéros, pardon. Travail comme on avait galéré sur les Let's Go, voir les 151 Pokémon. Ouais. Oh, bah disons. Oh, c'est son évolution. Oh oui. Mais on dirait... Oh là. Oh, cours. C'est quoi, ça l'a attrapé? Bah vas-y, ouais. C'est quand même l'évolution d'un Pokémon de nouvelle génération. Hein. Si, le Rangoumant, c'est là-dedans qu'on a. Oui. Comme ça, on récupère Mass Bay pour faire des super compotes après. Des super curies. Bah, tu vas pouvoir le faire après. Hein. Ouais, on va faire ça. Comme ça, et puis après, on va aller sûrement à la nouvelle ville. Parce que si c'est la nouvelle ville directe. Bah oui, on fera ça dans la prochaine vidéo. On va pas non plus. On va faire enchaîner les arènes en 3 secondes et demie. C'est vachement bien cet endroit-là. Là. Ouais. Il y a 3 arbres à battre, ils viennent de temps en temps et hop. Bah ouais, pour les curies, il faut farmer les baies. Donc. C'est ça. On va Bibichu en mode super fort. Ouais. Bah faut nous dire les gens, hein, si vous savez moi, ce que ça représente. Ouais, doré, je sais pas si vous avez répondu la dernière fois et on n'a pas vu de commentaires liés à commentaires, ça en fait. Mis en avant où on voyait vraiment ça. On dirait un mélange de... d'un gros. Mais non, de... d'un écureuil obèse. Ah oui, ouais. Et d'un gros. Et d'un gros écureuil bien gras. Ouais. Qui a mangé plein de glands et de noisettes, hein. On va peut-être faire un rappel sur. Parce que sinon il XP pas. Oui, bah juste voilà. Faire un rappel, ouais, c'est tout. Allez, mon petit gros, on va te capturer. Hey Rongrigou. Oh, c'est trop mignon. Il a l'air très fort. Ah, pas 36, hein. Oh non, on peut pas le capturer. Hey il est mignon. Il est trop mignon. Qu'est-ce qu'on fait?
Oh, on va pas s'embêter. Non, vas-y, fuis. Est-ce que je fuis comme ça, tu penses, ou je fais une poképoupée? Ouais, poképoupée pour être sûr, comme ouais, ça. Ouais, ouais, ça coûte 300 points. Ah ouais, 42. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Du coup, ils montent au niveau... On a des spoils du Rongrigou. Rongrigou, après Rongourmand. Super Evolution. Voilà. Oh, trop bien. Ouais, mais il va être super fort. Il va être méga fort. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Il y a des noms que je retiens, il y a des noms que je ne retiens pas. Mais si, quand même. Attention! Tu vas te faire attaquer. Ok, je regardais juste. Donc là, il y a un ectoplasma, normalement. Il y a un ectoplasma. Tu voulais pas faire du Poké Camping? Ouais, si, 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 mais je m'accroche plus, c'est son, faut aller là-bas. Je vais faire au dernier moment. Comment il s'appelle? Il s'appelle. Norfram, il s'appelle. Oh! Ah, mais non. Non, non, non. Il s'appelle. Je sais même plus à quoi il ressemble. C'était quoi comme Pokémon? Si, non. Comment il s'appelle? TT. Ah, je n'en rappelle plus. J'arrive plus à retrouver le nom. Ah, Exage duo. Non, Norpal, Exagide et duo Duamat du... Non, Dimocles. Ah, Dimocles. Ah bah, un nouveau Pokémon ouais. De la dernière gen. Ah bah tiens ouais. Ah là, c'est un Big Simularm du coup. Mais non, c'est des Watt. Ah oui, c'est des Watt Simularm. Bon, on va se mettre là-bas, devant l'entrée, et on va prendre un petit camping. Pour être mignon avec nos Pokémon pour finir cette vidéo. Ah, c'est quand même dommage qu'on puisse pas... Qu'on puisse pas voir les shines. Ouais. Ouais, mais bon, c'était peut-être trop facile. Alors, tout le monde est là. Coucou Bibichu. Sortir un jouet. Alors non, on va faire un menu. Ah oui, menu. Et on va faire un cuisine. Consulter le Curidex. Oui, parce qu'on en a déjà fait deux. On en a fait un. En fait, ah ils oui. Nous ont dit de mettre le plus possible. C'est ça, hein. On nous a dit les recommandations, mélanger ah bon, tout. C'était ça. Oui, la dernière fois qu'on a parlé avec quelqu'un. Vas-y, mais saucisse. On va mettre ça parce que ça sert à rien. Oui. Ah, bah dans les quelqu'un. On va mettre le gros poireau. Et après, faut mettre un peu de tout. Vas-y. Là, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre tout. Un de chaque. Je pense que les baies, peu importe ce que tu mets. Vas-y, allez, c'est parti. Surtout l'ingrédient du début qui sert à quelque chose. Ah bah, et donc là, c'est un méga curry de la mort. Il y a un gros poireau. Moi, le jour où je fais un curry à base de pommes et de baies. Non, faut bien faire. Faut peut-être le faire vite en fait. Mais c'est une blague ou quoi? Je suis deg, mon feu il s'est pas du tout attisé. Ouais mais c'est pas, je pense pas que ça change trop. Allez on touille, 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 on touille. Attention. Maintenant. Je pense que c'était bon. Ah, tout le monde a l'air... Tout le monde a l'air content et heureux. Un curry âpre au poireau. Du coup, ça va être un méga repas de la mort. Ça se trouve, hein. Oh. Oh. Oh, trop bon. Ils sont plus contents que la dernière fois, je crois. Ils ont l'air assez contents. Oh, oh. Goût approuvé par Crémy. Il s'appelle Crémy. Qui? Ah, Crémy, mais oui. Le nouveau Pokémon. Ouais. On a toujours pas vu d'ailleurs. On lui disait Mimi. Oui, 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 c'est ça. Tous les PV ont été restaurés et les altérations ont été soignées. Ah ouais, équipes ont obtenu des points d'expérience. Vos Pokémon sont devenus un peu plus amicaux. Donc en fait, ils sont tous contents. Bah, on va en faire un autre. On va faire avec un autre ingrédient. On va faire avec une pomme. On une a saucisse, une saucisse. Une saucisse. Un curieux saucisse. Vas-y, mets tout. On va mettre plus de comme ça parce qu'on en a un paquet. On va éviter de mettre celle qu'on n'a pas trop. Ouais, bah là, Calo, t'en as 4. Bon, bah vas-y, c'est parti. Mais là, j'ai pas compris ça. Faut appuyer comme un forcené ou... Je sais pas. Du coup, t'as vu tous les PV restaurés, hein, si tu fais oui. Un très... C'est pas trop mal là.
C'est pas mal. Ça va l'air trop mal, ouais. Ça fait des étoiles, donc logiquement ça devrait être pas mal aussi. Et t'as vu, j'ai fait un bronze, hein, donc c'était pas terrible. C'est-à-dire que mon curry était pas ouf. Il était pas ouf ton curry. Je suis d'accord. Je sais pas si ça marche. Là. Je ne sais pas non plus. Mais regarde, hey. Je pense qu'on aura mis cette médaille d'or. Médaille d'or du cuisinier. On va voir si ça fait curry âpre aux saucisses. C'est joli, hein. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est méga bon? Oh ouais. Ah, c'est méga bon. Wouhou. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir une médaille? Ah non, pareil. Ah non, médaille. Parce que ça se trouve, il y avait qu'une fois, c'est la première fois que tu le fais. Oui, quand plus tu le fais, plus tu peux faire... Et donc, tous les paiements étaient restaurés. Donc là, si par exemple, je veux sortir un jouet. Tu veux changer de jouet? Tu veux un jouet? Non. Jouet. Et qui veut... Attraper une Pokéball. Ah, je peux me baisser. Regarde. Oh bah, ah bah. Il y a une Pokéball sur la tête. Hey. Tiens, regarde, c'est chaud. Ah, c'est trop bizarre comment il prend les Pokéball. Ah, il est content. Tiens, petit. Bon, regarde, c'est bien, chaud, là. Il est vert. Content. Regarde, il est mignon. Regarde, il est moins vénère, là. On va donner à Toxizap. Bah. Ah, il met sur la tête. Ouais, bah, tu peux aller plus vite aussi, hein. Tac, 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 tac. Non, mais c'est une blague, le truc, là. Il avance pas, il fait du surplace. Oui, tu fais avancer plus vite aussi, s'il te plaît. C'est bien. Oh ben, oh, il a fait lui, des il a eu des cœurs, t'as vu? Ouais, c'est qui t'aime. Attraque. Ah, il vénère. Si, il est content, tu vois. Ah, c'est marrant. Ouais. Par contre, il a fait des cœurs. Non, il a fait ça des se trouve cœurs, parce ouais. qu'en fait on avait aucune liaison avec lui et comme c'est la première fois ouais. qu'on jouait avec lui. Ouais. Regarde comme il te regarde le chien. Ils sont tous vénères avec le jouet. Non mais en tout cas, on va s'arrêter là. Attends, on va juste voir. Ah, du tu coup, veux voir l'XP. Non, l'XP. Ah non, l'XP. Alors, avec 2 méga curies et quelques jouets. Ah quand même. Pas hein. mal hein. 500 d'XP avec 2 méga curies, ouais, il mal. Est passé niveau 30. Pas mal, pas mal. Plus avec Badaboin et Toxias qu'on a joué un peu avec. Mais du ouais. coup, ouais, c'est pas mal. Peut-être par rapport à leurs préférences aussi. Et Toxizap, du coup, il va peut-être monter de niveau. Oh ! Ah, j'espère qu'il est bien. Hein. J'espère qu'il est bien. J'espère ouais. qu'il est bien. Ah, la coïncidence en carte. J'espère qu'il va monter de niveau. Eh, mais franchement, il y a trop de. Allez. J'ai peur, hein. Parce qu'il est vraiment mignon, là. Allez. Bon, moi, il va. Ah ! Il est pas terrible. Ouais, il est un peu décevant. Après, c'est quand même une... il faut qu'il y ait une évolution plus puissante, c'est normal, mais... Ah ouais, mais du coup, il était trop mignon, mais là, il est plus mignon du tout, quoi. Ah, ah ouais. Ouais. Ça l'arsène. Et puis, il fait des trucs bizarres. Ouais, avec, il a fait ça, là, avec... Bon, changera peut-être Pokémon, non. Ouais, forme grave. Ça se trouve, il a une Gigamax, hein, ça se trouve. C'est un Pokémon Punk. C'est démarqué, ça. Étincelle. Faut bien évoluer. Hein. 65 au lieu de 20. Bah, on lève le gigotage, bon, ah ouais, justement. Bah, au moment, il va être plus fort, il aura plus de vie. Et... Mais ouais, il était mignon, Toxizap. Ouais, il était quoi. Mignon, et là, du coup, il est beaucoup bon, moins on mignon. On essaiera ouais. de faire des œufs Toxizap, puis on aura c'est un. Ça, d'ailleurs, Métamorph, je demande s'il est dangereux, hein, j'espère. Hein, parce que... bah, mais d'ailleurs, ouais. on a Funessir. Oui, Funessir. Et ça se trouve, Funessir, et ben on a le Funessir ah, qui, oui. a l'aptitude, oui, qui a l'aptitude qui permet de faire éclore les œufs plus vite, j'espère. Non, mais on va s'arrêter là, on découvrira la ville bah, de Kittenheim voilà. dans la devant. Prochaine vidéo. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game et Kim. Allez, salut!